où les gens, il faut qu'ils retrouvent espoir. Mais il ne faut pas s'accrocher à l'espoir. Il faut plutôt s'accrocher au mot confiance. Parce que ce sera un monde extrêmement difficile, extrêmement dur. Nous allons tous perdre nos amis, nos familles, les plus proches, nos ennemis aussi. Et vous allez voir que nous devrons marcher main dans la main vers cette bataille dite spirituelle, dite technologique, parce que nous avons affaire à Star Wars, à l'Empire contre-attaque. C'est pour ça qu'ils nous éliminent, chérie. Ils ont déjà préparé les clones. Voilà, dit. Combien 200 équipes de plus. Il y a beaucoup d'Ukrainiennes dedans. Elles sont trop mignonnes. Un peu trop parfaites à mon goût. Donc, pas humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie d'aujourd'hui vous dépasse totalement. Le monde, ils ont minimum 60 ans, 80 ans d'avance. Hein, les idiotes. Je sais. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aou, 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 aou. Éveille le guerrier en toi. Éveille la guerrière en toi. Demande pardon à toi-même, avant tout. Parce que comment pardonner aux autres quand tu ne t'es pas pardonné toi-même? Ceci n'est pas possible. Éveille la force. La force, comme elle se fait, c'est en reconnaissant ses erreurs, en disant juste pardon. Oui, jeune homme, il n'y a plus de futur. Si vous croyez que vous allez avoir du fric, dès demain, en fait, comme vous êtes devenus des objets de biens de consommation, vous n'avez strictement plus aucun droit dit humain. Donc voilà. Mais bien sûr, personne n'écoute et continue à se consommer par la consommation. N'oubliez pas, donc je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Et je vous fais confiance à vous les bleus pour enfin bouger votre petit cul de feignant face à ce mal qui est en train de nous dévorer tous à petit feu, corps, âme et esprit. Donc comment on fait? On ne donne pas son consentement et on refuse et on l'affirme. Je ne consens pas et je refuse. Tout est. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de loi, pas de roi, pas de loi, que nous vivons sous un consortium. Qu'est-ce que c'est le consortium? C'est un rassemblement de sociétés. Nous avons été vendus des pieds jusqu'à la tête. Les bijoux de la France, vos couilles, vos ovaires ont été vendus afin d'être consumés et consommés. Voilà, donc je vais arrêter. Je sais que mon message est passé. J'espère bien, les garçons, que vous allez regarder gendarme.com. T'avais qu'à apprendre à lire et à écrire comme ta grand-mère te l'a dit. Hein? Comme quoi, ça sert les disputes. Ah oui, c'est tout. Alors, apprenez à chanter, à rire de vos propres défauts, à rire de vous-même, parce que le rire vous aide à dédramatiser de tout ce qui va nous tomber dessus. Et tant pis pour les zombies, complètement zombifiés, qui iront de toute façon vers, parce que c'est la récolte des âmes. Donc Macron a totalement gagné, ainsi que ses maîtres, afin de vous dévorer à la petite cuillère. Et voilà, ben c'est votre faute. Voilà. Bon ben, j'ai pas fini, mais je vous invite à lire la lettre. On a le droit de savoir et nous avons le devoir de dire. Du couple Cox qui se mettent sous la loi de Sapin 2. Donc la loi qui protège tous les lanceurs d'alerte. N'oubliez pas de vous protéger avec cette loi-là. Apprenez à jouer avec toutes les lois. Il faut les piéger à leur propre piège. Malheureusement, ils jouent avec vous, ils jouent avec vos esprits. Ils ont volé vos femmes, vos enfants, vos cartes de crédit. Il est trop tard. Beaucoup trop tard. Donc aujourd'hui, nous allons sauver nos enfants du quoi qu'on bête. On va éviter qu'ils deviennent tous des putes. Soit ils sont. Enfin voilà, la génération future, ce soit putes, soit pifs à cacher, ou tout simplement ils seront éradiqués à cause de leur ADN. Voilà. C'est pas du racisme, aujourd'hui c'est de l'eugénisme, du transhumanisme. C'est une guerre totale contre toute l'humanité. Et la France sera l'exemple, même s'ils ne seront pas très nombreux. Mais comme vous le savez, à l'époque néotique, tout le monde jouait, consommait et se mariait. Il est ainsi que l'histoire se répète toujours, toujours et toujours. Et tout est écrit, suffit de savoir lire et interpréter, sans supposition, sans jugement. Faites toujours un pas de plus en mettant toujours un doute à ce que vous pensez. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas vos pensées. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la psychotronie dirigée par la 5G, la 6G, ils prennent déjà contrôle de tous les corps. À eux, ça leur arrive tout le temps. Et je le sais très bien parce que je discute beaucoup. J'ai une relation
très affectueuse et très amicale avec eux. Et je vois vraiment toute l'horreur qu'ils sont en train de vivre. Et malheureusement, ils n'auront pas lâché parce que le mal envahit nos rues. Et un grand merci à tous les champions et les championnes qui savent très bien qu'il ne reste qu'entre 3 ans et 5 ans maximum à vivre. Merci. Et désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime pour cette vérité qui, j'espère, va vous libérer de ces chiens et de ces chiens. Bisous, bisous. Love, love, love. Amour. Amen. J'ai deux bites.